Bonjour à tous, c'est le Dédalucard et aujourd'hui on poursuit L.I.E. avec une partie qu'on avait quittée comme ça. Donc je sais pas trop comment ça marche le chargement de ce jeu. On va tout de suite le vérifier. Ah, bah j'espère que vous allez bien parce que moi je vais vachement bien. J'ai fait une bonne affaire. Ouais, donc on réapparaît quasiment l'endroit où on s'est arrêté. Moi en tout cas j'ai fait une bonne affaire, je me suis acheté plein de jeux et tout. Ça va dépoter grave. Alors on avait fini là, 10 sur 12. Toujours la musique aussi épique. Allez, le radar m'indique qu'il y a un monstre en bas. Et je peux pas y aller, il m'indique qu'il y en a un en haut. Juste que j'y aille au bon moment. Wow. C'est que ça. Hop. Le monstre est là. D'accord. Pour l'instant, ça n'a pas l'air dur. Ah, d'accord. Ah, serre-coin. Olé. Qu'est-ce que. Référence à Space Invader. Oh, c'est joli là, ça dépote de partout. Yeah, on l'a tué, nouveau monstre ajouté. Ah, on voit qu'on en a loupé un. Tiens d'ailleurs j'ai pas vérifié cela. Il me semble. Bien qu'admirant sa politesse légendaire, le syndicat des boss de L.I.E. souhaite préciser que Chopatat n'est en aucun cas représentatif de leur future attitude à votre égard. Il y a des monstres qui sont pas mal. Hein. Y a des monstres qui sont pas mal. C'est bizarre. Il faut un certain type de créature pour bâtir sa maison au milieu d'une vingtaine d'énormes scies mécaniques. On se demande s'ils deviennent sourds ou s'ils pètent un plomb. Ah bah, les deux. Olé. C'est bien dangereux là. Merci. Pas les détruire ça. Alors, ça m'indique pas en haut, mais j'ai envie d'aller voir en haut. Ah bon, je peux. Ils sont en métal donc je peux pas passer. Ah bon, je peux les détruire. Passer par là. Wow. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Hop. Un petit bonus. Ah. On en avait besoin justement. Hop. Un peu de vie. Juste faire gaffe de merde. Hop là. Revenir sans se faire toucher. Ah. Oh, moi je vais descendre. Hop. Par là alors. Ouh. Ah oui c'est bon. Ah on peut passer là. Un robot caché derrière un bouclier. Le bouclier son projet sera d'autant plus agréable. Donc lui il a un bouclier. Donc, on peut passer à travers les grilles. Et après que j'aurais tué ce monstre là, je pourrais passer dans la porte. Ça n'a l'air de s'ouvrir que. Yeah, je l'ai eu. Ah, mais j'ai déjà vu celui-là. Oh non, mais dites pas qu'ils vont. Ça va tout le temps être les mêmes. Ah, je pensais que ça changeait à chaque monstre, moi. J'en avais une centaine. Rabot diabolique, chaque armure impénétrable, chaque tendance à voir son armure de façon inexpliquée, intervalle régulier pour qu'on lui tire dessus. C'est couillon, un méchant quand même. Bien joué. Donc la porte s'est ouverte. On va pouvoir passer par là.
Alors je me disais que je m'étais acheté plein de jeux, mais quoi exactement? Je me suis acheté Diablo 3, ça fait un petit moment que je lorgnais les yeux et je vais pas encore sauter sur l'occasion. Déjà rien que ça, ça va beaucoup m'occuper. Alors du coup, voilà, je peux passer par là. J'ai pris des sous, une fontaine de sang qui sert à rien parce que j'avais toute ma vie. Je vais passer par là. C'est du métal, je m'habille. Aïe. Des sous, il vaut mieux que je le fasse. Je fais ça, voilà, voilà, j'ai compris la technique. Alors, le gameplay, il est nerveux, mais il est à la fois très agréable. Quand il nous arrive un problème, c'est pas parce que le jeu fait de la merde. Ah, c'est parce qu'on est nul, c'est tout. Regardez où l'action se déroule sur la table. Ah, on peut être invincible aussi, hein, avec regardez, on leur fait ça. Ils croient qu'on fort, du coup on est invincible. Pascal arme. Cybergandouille détecté, vilain robot, il doit rêver de vieilles disquettes porno. 6-0 ne va. Tu veux dire ne va pas vite sinon je me réveille et je te fume, que veut donc dire hein. Oh. Alors on peut être invincible sur les ennemis de métal, il suffit d'appuyer sur forage et le jeu croit que vous forez. Et vous passez tranquille. Wow! Là. Ça se complique. Spécial là-bas. Ok. Ouh. Ah là, je m'en doutais. Putain, ça tue en un coup quoi. Bah, ça pardonne pas hein, le pic là. On va éviter de faire le con. Si c'est pour se faire tuer, ça sert pas à grand chose, moi je crois. Hop, hop, hop. C'est chaud là. Aïe. Je me suis cogné. N'importe quoi. Alors, j'ai passé par là pour voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est là, non. Il y avait un monstre, alors je vais essayer de le tuer. Wow. Ah d'accord, un truc différent. Je vais juste éviter les monstres. Allez. Ah c'est énorme. Même si je me suis pris la... radioactif là. J'ai compris le principe de ça. C'est pas très dur. Ah, c'est un monstre aussi ça. C'est bon, j'ai compris. Bon, je devrais le tuer. F. Qu'est-ce que c'est? Énorme. Clayton était le fameux serpent dans votre téléphone. Une fois l'appareil éteint, il volait de petits composants pour s'en faire une armure. C'est pour ça que votre téléphone marchait mal. Oh. On sait pas ce que c'est. Tu es... Que... Si tu veux, gars. Explosive zone. Apparemment, il y avait rien de chose parce que je peux pas forer. C'est un jeu d'exploration en fait au final. Ça faut faire ça pour pas... 14 sur 17, donc je peux pas encore y aller. Je vais manger un coup de bras articulé là. Tiens donc le grand prince qui visite notre imbécile. Qu'est-ce que tu racontes petit Jean?
Moi aussi je suis à poil, c'est bon de sortir la poêle. Il y a une super boutique sympa là-bas. Je suis pas à poil. Oh, il y a une boutique là. Olé. Attendez, parce que là. Alors, eux pour claquer ton fric. Oh, ravi tellement de grenades. Allez, à l'aise. Ah, des améliorations maintenant. J'ai acheté tout ça. Je l'ai pas acheté. Si, je les ai achetés ça. Je me souviens. Écoutez, c'est pas grave. Alors, on va améliorer sa mitraillette. J'ai trouvé du taf, cette parasite. Il y en a là que j'ai. D'accord, j'avais pas tout acheté. Tronche de destructeur. Putain, malgré tous les. Oh, votre cache géant. Vous imaginez tous les sous que j'ai pris et. Ça marche pas comme ça. Je vois pas comment on fait. Ah bon, je vais utiliser autre chose que le lance-grenade. Ah ça aussi, surtout avec le premier monstre. Bon, il y a des trucs qui se répéteront. Ancien supérieur d'un exploité jeunes enfants travaillant 20 ans par l'offre, elle mettait de côté leur salaire jusqu'à ce qu'ils partent à 16 ans ou meurent dans un accident louche. Et comment on fait pour revenir sur l'île? L'aventurier. Non, moi j'avais peut-être pas tout acheté alors. Mince, j'ai fait une bêtise. On va mettre la roue normale. La normale. C'est juste le chapeau que je me souhaite. Ah. Oh merde, je suis trop con. Qu'est-ce que j'ai perdu? Parce que là je reviens ici. C'est-à-dire. Le monstre est considéré comme mort, non? Bon bref, ouf, j'ai failli me refaire avoir. Le monstre là, je l'ai tué. Je fasse gaffe au piège là. Zone C. Ouais, je dis qu'il y a quelque chose là-bas là. Hop là. Là, y a quoi? Genre il y a une zone et il y a rien de... Putain de merde! Ah! Je vais rappeler avec ma... Non ça va. On ira voir après. Merde! C'est pas pris. Hop. J'imagine que là. Là. Je
Ah. Ça c'est la référence à Mortal Kombat, parce qu'il y avait un certain combo. Ça faisait tous Frosted. Ça marchait super bien. Oula, aïe. Ouf, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Je retrouve Oh l'enfoiré. Oh elle est mort. Elle est mort débile. Je vais me dire maintenant. J'ai plus besoin de d'aller chercher des glaçons. C'est pas si évident que ça comme jeu en fait. Hein. Je suis en train de remarquer là. D'ailleurs, les 7 boules de cristal. Ah putain, il y avait rien en plus quoi. Tu te fais chier à passer et c'est pas dit que. Ah la foireuse. Oui, apparemment, ça a pas sauvegardé que je l'avais vu. Ça, on l'a déjà fait. Ça fait penser à WarioWare. Ouais, en fait, c'est à peu près tout le temps les mêmes cinématiques. Mais de temps en temps, il y en a des nouvelles. Ou alors, c'est au hasard, peut-être. Ça m'étonnerait. Ah, ça ouvre la porte qui se trouve ici. Ça va donc me permettre de pouvoir avancer dans l'aventure. Ce mec ont toujours l'air blasé. On pourrait penser d'être quête propriétaire d'une entière rendre un minéo jouasse, mais non. Ok. Peut-être ouvert. Wow. Moi je veux bien, mais. Ah putain, ça one shot. Putain. Ah, mais le nombre de fois que je meurs là, c'est hallucinant. Hein. Je suis pas un. Enfin, là c'est un stage quand même plus compliqué. Je suis pas un nul quoi, je veux dire. Non, non, alors, moi j'avais 470$. Est-ce que ça m'enlève de l'argent? Non, ça m'enlève pas d'argent apparemment. Tant mieux hein, parce que. Par contre, ça m'enlève de la vie. Non mais. Oh. Je me fais à chaque fois au revoir. Je roulais là. Ouais, bah ouais. Bon, tab, le soin, c'est plus haut. Putain. Ah. Oh, mais c'est... Je galère. Je galère. Oui, bah j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans la porte. Non, l'amélioration qu'il faut au bazooka. Ouh, des sous. L'amélioration qu'il faudrait au bazooka, c'est tout simplement de plus de puissance. Plus de munitions, pardon. Pas plus de puissance, juste. D'ailleurs, ma première partie, à un moment où H dit qu'est-ce que je chasse avec le radar, regardez, j'ai pas envie de rechercher les 7 boules de cristal. J'ai dit que c'était une référence à Tintin. Alors, excusez-moi pour ceux qui l'avaient peut-être compris, mais en fait, il ne s'agit pas vraiment d'une référence à Tintin. Il y a plutôt une grande. C'est plutôt un grand clin d'œil à Dragon Ball Z. Moi j'ai dit Tintin parce que c'était. Oh le lag! J'ai eu un lag là! Oh là 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 là! C'est bon, je redémarre avec toute ma vie. Heureusement,
J'ai eu un lag là. Là, il a sauté, ça a frisé en plein air. Allez, on se concentre. C'est pas si facile que ça comme jeu, je vous l'ai dit. La porte est ouverte. Attention à ça. Bon. Voilà, là, je suis passé, ça y est. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Wow. Oh, ça sent le boss. En tout cas, j'aime bien l'ambiance là. Ah, là, c'est une vraie ambiance démoniaque. Ça, j'adore. Ça, c'est, ça me fait penser à Castlevania. Veuillez laisser votre jetpack ici sans râler de préférence, les armes ne sont pas admises dans la prison. Vos règles, vous vous souvenez? Quoi? Pas moyen? Je vais l'améliorer pendant ce temps, vous ne le regrettez pas. Bon. Donc je vais me retrouver sans armes. Mais comment je vais faire alors? Bon, ça ne va pas être un boss. Retrouve. Alors il y a des phases où on se retrouve donc à pied. Mais comment tu fais si tu m'interdis encore un truc? Non monsieur, je vais vous montrer comment sauter sur les murs. Je sais, je fais un double saut près d'un mur et bim, je deviens Yamakasi. Un double saut, oui, près des murs et d'un mur. Et en maintenant la touche de saut, il faut maintenir la touche de saut. Enfoncé, pigé, je ne suis pas si débile, tu sais. Waouh! Ah ouais! Ah tiens, une nouvelle phase de gameplay. Je sais pas si c'était possible avant. Mais là, ça l'est. Là, c'est pas mal. Mais il faut faire un double saut. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas mal du tout. Ça, je m'en doutais un peu. Il y aurait des pièges. Dans une prison, ils mettent toujours des pièges, tu sais. Pas mal le décor. J'aime beaucoup aussi. Bonjour! Oh, je veux 3 kebabs. Ah, c'est épique. Pardon. Garde, j'ai trouvé l'intrus. Garde fantôme, allumez le spot. Il va pas le manger quand même. Des lance-flammes. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Merde. Comment je peux passer? Plutôt fragile, hein, H quand même. Hein. Grille brebis. Moi je veux bien, mais comment je fais? Par contre, ça va être chiant ça des fois. Je vais vouloir faire un double saut. Comment tu peux faire? Griller le brebis, il faut que je me mette devant là. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Là, oh. Bon, je fasse attention. Enfin, apparemment, faut que je me serve de lance-flamme. Le problème, c'est que là, ça va toucher. J'ai pas l'impression que ça lui a fait des dégâts. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Putain, c'est trop simple en fait. C'est juste que j'ai pas capté. Firestar. Allez hop, du michoui. Monster. D'une certaine manière, Princesse Mia était prisonnière dans la circonstance comme le reste. D'un autre côté, elle était stupide, inutile et vrai parasite pour la société. On se réjouit de sa mort. Faut pas
pas que je tombe dans les projecteurs apparemment. Sinon il y a des gardes fantômes. Projecteur pour les gardes fantômes. C'est pas eux déjà les gardes fantômes là? Parce que si c'est eux, ils font rien hein, pour l'instant. J'imagine qu'ils deviennent méchants ou un truc comme ça. Là je me promène hein, parce que là il y a des trésors. J'ai failli tomber dans un projo là. J'aimerais bien me servir de cet escalier, vois-tu. Bon, j'ai pas réussi. Mais attendez, je peux tout simplement remonter par là. C'est pas merde. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même hein, parce que moi les jeux de plateforme, je vous l'ai dit, pour moi c'est avec une manette généralement. J'en ai une là mais elle est bizarre. Je préfère pas m'en servir à part pour Resident Evil. Donc là j'ai réussi à ramasser. Putain! Bon allez, galère. C'est galère. C'est vraiment parce que je suis pas habitué au clavier. J'ai été touché par un projo mais ça m'a rien fait. Ça m'étonne que ce soit que de la déco. Ah ouais, par contre c'est super chiant. Des fois vous voulez pas faire un rebond contre le mur, vous le faites. Ah, voilà, vous avez vu. Là j'ai clairement pas voulu le faire quoi. Petite erreur de gameplay je pense. Il va falloir faire avec. J'espère que ça va pas être déterminant on va dire. Devoir lui faire tomber un truc dessus ou autre. Ah ouais, sauf que je crois avoir compris ce qu'il faut faire mais je suis pas sûr. Je m'en doutais. X, tab. Écrase bouillé. Mais je suis mort. Allez d'accord. Il y a des petits. Il y a des petits bugs. Enfin c'est pas vraiment un bug mais. Bon. Mais je l'ai tué quoi. On aura une boutique ici. Bon allez. Est-ce que je cours plus vite que ce monstre à votre avis? Ah mais je l'ai tué quand même, ça a compté que je l'ai tué. Bah oui je l'ai tué avant. Donc ça sauvegarde dès qu'on tue le monde. Fluffy a un pédigré d'échec. Et paf le chien. D'accord. Oh non, ça c'est dégueulasse. Alors, je vous explique pourquoi je suis mort. Regardez, je vais le faire avec le bord. Là. Voilà. C'est un truc que les... Voilà, ça va m'énerver. Hein. Les développeurs n'y ont pas pensé. Et regardez, voilà, je me bloque contre le coin. Et voilà. C'est tout con hein. Je suis là, mais j'ai même pas fait exprès de mourir. Je suis mort parce que je me suis cogné. Je peux pas. Et ça je trouve ça débile. C'est clair et net comme ça. Je trouve ça un peu idiot, mais enfin. Amélioration de missile. On va améliorer ses armes. J'ai pas d'armes. J'imagine qu'il faut le faire aller quelque part lui. Là il doit y avoir un trou. Wow. Ah j'ai peut-être compris. Mais ça c'est débile. J'ai pas mon jetpack. Si j'ai tellement de super pouvoirs super forts, pourquoi est-ce que je les utilise pas tout simplement? Eh, il vaut double celui-là ou pas alors? On est tué deux là techniquement. Non. Ah si.
Garland et son frère jumeau Tyrell ne se supportaient pas. Alors leurs parents firent adopter Tyrell. Dans l'euphorie du calme retrouvé, ils firent adopter Garland aussi. Mais à cause d'une erreur administrative, la même famille adopta les deux frères. Lorsque les autorités tentèrent d'en renvoyer un le lendemain, leurs parents avaient déménagé sans laisser d'adresse. Ouais bah, c'est gay comme famille. Ah vous, eh ça va, eh mais ça va m'énerver de me cogner contre les murs. Mais direct. J'ai pas vu. C'est quoi ça? Ouais mais c'est, ouais, mais c'est chiant parce que je dois du coup sauter et ensuite prendre de l'élan, mais si je fais ça je perds. C'est quoi? Ouh ouh, c'est quoi ça? Ah ouais, ça va me saouler. Mais sors de là! Voilà, vous venez exactement de comprendre pourquoi le... Pourquoi... Ah merde, j'ai fait tomber mon jeu. Vous venez de comprendre pourquoi ça m'énerve là. L'histoire des points, c'est tout simplement parce que les bords, j'y arrive pas. Je sais pas pour vous, mais moi je bloque. Bah écoutez, ça fait une petite vidéo d'une demi-heure. Laisse-moi tranquille, toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'arrêter là. Par contre, j'aurais aimé pouvoir retrouver comment repartir sur l'île, en fait. Et je sais pas comment on fait. Bon. Eh ben écoutez, c'est pas grave, je vais essayer de retrouver. Ça devrait pas être trop dur. Bon, là du coup, je viens d'arrêter la vidéo. Normalement vous allez voir un écran noir, ça m'arrive de temps en temps, j'arrête la vidéo et je continue de parler. Donc bon. Et ben, c'était Daniel Lucard qui vous présentait Ellie. J'espère que ça vous a plu, vous voulez que je continue pour votre plus grand plaisir. Bon là vous avez vu énormément de fails, vous m'avez vu mourir beaucoup de fois, ça doit vraiment vous faire plaisir. Bref. Je continuerai donc mon let's play sur Ellie à raison de peut-être 2 vidéos par semaine. Je trouve que c'est un rythme assez qu'on a, faut savoir que je fais d'autres vidéos à côté. Et que là je pense que j'ai déjà fait trop de let's play. J'ai engendré trop de let's play en même temps tout simplement. Voilà. C'était le Dédalicard qui vous a donc présenté sa deuxième partie du let's play sur Ellie. Je vous remercie beaucoup d'être resté, de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker ou à m'envoyer des messages privés.